Yo, salut à tous, c'est Tipien, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode sur Amnesia, yes, hashtag intro à la Val Hiverne. Non, plus sérieusement les potos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvel épisode de Amnesia The Dark Descent, c'est le cinquième épisode, si vous n'avez pas vu le précédent, clique au milieu de l'écran, il s'affiche, pour moi c'est, jusqu'ici c'est le meilleur, c'est le plus drôle, j'ai vraiment adoré le montage, donc voilà, il est de nouveau 2h du mat, mais ça va, je suis chaud, j'ai la patate, et je voulais juste vous préciser un petit truc avant de commencer, c'est que là logiquement, cette vidéo sort mi-août à peu près. Et je voulais juste vous dire que je suis parti tout le mois d'août en fait en vacances et que c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins d'activité sur la chaîne, mais j'ai quand même prévu beaucoup de vidéos en avance qui sont planifiées. On en a tourné 7 ou 8 en avance, donc je pense que c'est correct. Et j'espère que le manque d'activité vous dérangera pas, enfin la baisse d'activité vous dérangera pas trop. Voilà, donc on va continuer tout de suite. On est reparti. Alors du coup, je suis complètement paumé. Je sais plus du tout où on en est. Je sais plus dans quel chapitre on est. Je sais plus si j'ai fini le chapitre. Je suis complètement paumé, donc je saurais pas vous dire. Mais bon, on va essayer de se démerder. Let's go! Si ce chargement veut bien se terminer. Il est aussi long ce chargement. Ah, nous y voilà. Ok, donc vous vous souvenez, on s'était quitté là, juste après être sorti des égouts, les égouts de l'enfer. Et donc, là j'ai deux choix. Soit je retourne dans la morgue. Bon. Soit je retourne dans la morgue, soit je descends. Donc on va descendre, hein. On va voir ce qu'il y a en bas. À part de l'obscurité. Oh, c'est quoi ces lags là? C'est quoi ces vieux lags là? On va allumer une petite torche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Rien du tout. Ah si, pardon. Pardon, j'ai parlé trop vite. Ah, on a des vieux lags, j'aime pas du tout ça. Je sais pas si on les voit sur le rec. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? C'est qui ça, Agrippa? I can't feel anything, Alexander. Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? On va servir un peu plus de l'amadou hein, parce qu'on s'en sert pas beaucoup. Donc bon, autant utiliser ce qu'on a. Oh là! C'est qui ce mec? Bon, bonjour. Vous allez bien? Ah, mais il est vivant! Oh non! Oh, même pas en rêve, négro! Non, non, non! Non, go fuck yourself! Non, non, non! Oh, moi j'ai pas envie de l'aider, moi! Tous les coups, il va me casser les couilles! Ouais, c'est bien parce que tu le demandes gentiment, hein, culé! Pas intérêt à me casser les couilles, hein! Oui, parce que moi je te baise, hein! Voilà. C'est lui, Agrippa. C'est drôle? Oui, exactement. Oui, tu as pété un câble, dis-moi. Oui, bah, énorme. T'as fait le Bataclan, toi, non? Tu fermes ta gueule 2 secondes? Je lis un petit truc. On bloque le chemin, très bien. Niveau santé, on est où? On est correct. Par contre, j'ai sûrement fait une connerie. Donc, vous savez quoi? On va faire demi-tour tout de suite et on va retourner dans la morgue en fait. Parce qu'il y a sûrement des. Genre un truc qui peut nous permettre de continuer en fait dans la morgue. Ah, c'était quoi ça? Un orbe est nécessaire pour entrer dans le sanctuaire. Ah, donc là, il faut que je rassemble le fameux orbe. Hé hé. Ok. Ah.
laboratoire ici. Ok. On va essayer de pas autant galérer que la dernière fois dans les énigmes, parce que je pense que vous avez trouvé ça un peu long, moi aussi. Et encore, j'ai coupé 2-3 trucs au montage. Ouais, putain, il galère pour monter ces escaliers, c'est pas possible. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais à droite du puits, on pouvait retourner dans la... Voilà, dans la morgue. Et j'y étais pas allé. Donc qu'est-ce qu'on a là ? I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize. What else could I do? Alexander said it had. Merde. Voilà, on a pris un peu d'huile. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça ne marche pas. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Deux leviers au dernier étage ne fonctionnent pas. Il s'agit probablement d'un problème avec les mécanismes. Très bien, donc on est venu là pour rien au final. Donc il faut régler un mécanisme qui est probablement au sous-sol. On avait dit que là il y avait cul-de-sac. Et là, ça bouge pas. Ok. On va retourner en bas, vous savez quoi? Du coup, vous avez vu, j'ai bien respecté vos 20 minutes sur les derniers épisodes. Hein. Mais ouais, au final, je sais pas si c'est si bien que ça ou si c'est moi qui ai pas bien timé. J'ai sorti les 3 vidéos à peu près en même temps. Étant donné qu'elles allaient ensemble, en fait, c'était assez délicat. Je savais pas trop quoi faire. Et du coup, ouais, c'était pas ouf. Ça m'avait pas l'air très pratique pour vous. Donc, je vais voir ce que je vais faire cette fois. Lui, il veut que je l'emmène avec moi, là, ce truc-là? Il dit, mais comment tu parles? T'as même pas de mâchoire? T'as même pas de mâchoire, mec? Ah, putain, encore une note. Bon, faut que je lui ramène son truc, ouais. Chercher une note écrite par un... Johan Weyer, ok. Je te la porterai, petit PD. Je te la porterai. Ah! Je suis insensible au screamer. Je suis insensible au screamer désormais, je suis une machine. On entend probablement tous les bruits des gens qui se sont fait torturer. C'est plutôt agréable d'entendre des gens souffrir, j'aime beaucoup ça. Oui, je suis un malade mental. Bon, on va essayer de trouver ces morceaux d'orbes, là. Pour l'instant, je vois pas grand-chose qui ressemble à des orbes. Il y a la créature, là. J'ai cru l'entendre. Peut-être qu'il y en a en haut, on va aller voir. What? De la viande? Est-ce que c'est un mauvais signe ou est-ce que c'est plutôt un bon signe, la viande, à votre avis? Ah, je sais pas trop quoi en penser. Ah? Vous l'entendez, le bruit de mécanisme, là? Ah! Il y a bien un truc à faire avec ça, non? Maintenant qu'on met de la viande là-dedans, mais... Bon, je sais pas trop, mais... Mais je suis prêt à parier qu'il faut péter le mur pour accéder au mécanisme derrière. Putain, mais ils sont où, vos bouts d'orbe? Y'a rien, là. Y'a rien. C'est chiant parce que quand il parle, l'écran il est tout noir. C'est plutôt chiant. Oui, si tu veux, j'ai combien d'amadou, dites-moi. 54, oh ben on est large. Hein. On est très très large. Ah, je peux pas allumer là? Ah, y'a pas de torche.
Faites chier. Par contre, j'espère que le mec, il est pas dans une des salles là, parce que si j'ouvre et que je me retrouve nez à nez avec lui. C'est pas genre exactement ce qui vient de se passer. Non? Là, j'ai eu peur. Hein. Non? Ils ont juste voulu me faire croire, ces enfoirés. Ah, une pomme. On va la garder. Bon, pour l'instant, je sais pas combien de salles de torture j'ai faites, mais il y avait rien dedans. Hein. Y a rien du tout. Y a rien, rien, rien du tout. Bon, on va avancer. Hein. Presbyterium. What? C'est quoi ce nom? Presbyterium. Oh putain non. En plus c'est une salle de torture. Oh non, j'ose même pas imaginer ce qu'ils faisaient dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, oh mon dieu. Oh putain. T'es où? Fils de pute. You only live once. Ah, il est là-bas. Si seulement je pouvais lui mettre un petit quick scope. Ok. Donc là encore. Ah, c'est pas la grande porte de tout à l'heure, ça? Ça ne bougera pas. Putain, elle est magnifique cette salle. Hein. Là, on sent qu'on approche de la fin du jeu, là. On commence à avoir des petits trucs mystiques et tout. Putain, enculé. Mais il est pas mort, lui? Il est pas censé être mort, lui? Là, regardez. Oula. Regardez en haut à gauche de l'écran, là. L'épisode précédent où je jouais avec son cadavre, là. Alors, qu'est-ce qu'il fout devant moi? Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai joué avec ton bras et ton corps dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que tu fais devant moi? Tu dégages. Tu dégages. Tu n'as rien à faire ici. Wow. What the fuck? Putain, arrêtez de me faire peur, bordel d'enculé. Es-tu là? Tu es là? Je t'entends. Non, ne tape pas là. Oh, vous l'avez vu le petit sursaut là. Boum. Allez. Il m'a fait peur ce con. Bon. Il nous oblige à revenir en arrière. Putain, je savais qu'il allait taper la porte. Quel bâtard. Bon, on n'avance pas là. On n'avance pas. Oh, c'est horrible. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your and let one prisoner. Le sadique. Terror in his cellmate. Ah, le sadique, c'est dingue. On va retourner dans le presbytérium. Je sais pas pourquoi je regarde là, la caméra elle est là en fait. On est parti l'autre là. Fait un petit sursaut, pourtant je m'y attendais, mais c'est comme dans les films, tu t'y attends et pourtant tu sautes quand même, quoi. Bon, c'est bon, il va me laisser cette fois. Putain, moi qui croyais qu'il était mort. Gauche, gauche, en face, droite. Allez, allez, droite. Parce qu'il venait de par là, il venait par là la voie d'avant. La fois d'avant, ah. L'orbe brisée. Ah, Agrippa a trouvé l'orbe. 6 morceaux. Chier quoi, 6 morceaux.
6 morceaux, il faut qu'on trouve. Pas 3, pas 4, 6. Bon. Allez, on va essayer de boucler ça le plus vite possible. Putain, mais... Illuminati! Oh, ma voix. Illuminati. Voilà. Ah! Ah! Si vous connaissez PewDiePie, vous connaissez cette chose. Vous connaissez le nom de cette chose. Bref. Oula, il y a beaucoup de salles. Il y a beaucoup, beaucoup de salles. Là, il y a des salles de nécromancie, Illuminati, là. Ça commence à être le bordel. Mais il n'y a toujours pas de putain de morceaux d'orbe. C'est pas incroyable, ça. Je les trouverai jamais. Eh, viens avec moi, toi. Une arme redoutable. Face au FDP. Cette petite chose. On va essayer ce côté-là. Déjà, il faudrait que je vois à quoi ça ressemble, un morceau d'orbe. Que je passe pas à côté comme un con. Oh, non. Que je passe pas à côté comme un con. Et que je le rate. Ah, les mécanismes dont il parlait tout à l'heure, peut-être. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Des psychopathes. Ah. Putain, mais vous, c'est quoi ces items inutiles? Un seau de goudron. Mais je veux un putain de morceau d'orbe, c'est pas compliqué. Je veux un morceau d'orbe. Vous me faites chier. Vous me faites chier avec vos énigmes. Voilà, vous me faites chier. Putain, il y a encore tellement de trucs à résoudre ici, j'ai l'impression. J'ai bien fait de couper l'épisode la dernière fois. Et nous approchons déjà des 20 minutes, les amis. Cette salle est vraiment belle, hein, par contre. Et encore une fois, on s'approche vraiment de la fin du jeu, là, avec toutes ces histoires d'orbes. Tous ces trucs. Ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques chapitres à faire. Oula ! Eh, eh ! Elle était pas ouverte, cette porte-ci. Wow ! Wow, wow ! The fuck ! Ah oui, bah une légère dépression hémisphérique. Évident. Élémentaire, Watson. Ok. Donc je vais même pas essayer d'entrer là-dedans parce que je sais que je vais mourir. Vous me croyez si je vous dis que j'ai sursauté là ? Il y a trop de notes là. Mais genre, j'ai quasiment fait toute la map et j'ai encore trouvé aucun morceau d'orbe. Donc là, ça commence à m'inquiéter là. Maybe she knows. S'il parle. Ils sont où vos foutus morceaux d'orbe? Je te laisse là, mon petit. Ok, je reviens te chercher tout à l'heure. Putain, mais. Il est où? Il est pas là? Ok, vous savez quoi? On va se poser. Merde, c'est quasiment la fin de l'épisode. On va se poser. On va regarder les items qu'on a. Et on va réfléchir. Ça nous fera gagner du temps. De la viande et du goudron. D'accord. Oula, mentalement, je suis pas bien. Non. Je sais pas, non, je pense pas qu'il y ait de combinaison. Peut-être que je dois donner la viande à Agrippa. I don't know, I don't know. Dans tous les cas, cet épisode se termine ici, les amis.
Donc voilà, encore des énigmes. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des salles. Maintenant, on va essayer de les résoudre. J'espère que ça vous a plu. On a pas mal avancé au niveau des salles. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode qui sort dans pas très longtemps. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!